je me considère vraiment comme un peintre contemporain, mais très classique, parce que je n'ai rien réinventé. Je fais simplement ce qui me plaît, sans obéir à aucune académie. C'est vraiment, ça ne passe que par l'émotion, que par le mouvement. En termes de temps sur une toile, je passe plus de temps à la regarder évoluer, parce que c'est une peinture à l'huile, donc il y a des temps de séchage importants entre différentes couches. Et effectivement, tout ce temps d'observation m'amène dans un voyage de réflexion. Il faut aller plus loin que le hasard. Et donc en donnant un trait sur une toile, ça va être le trait du hasard, mais ce trait-là, il va falloir le conduire vers autre chose qui va vous donner la satisfaction. Ce qu'il y a de bon, je pense, dans la vie, c'est de perdre la raison. Après, le plus dur, c'est d'assumer. Mais dans mes toiles, oui, il m'arrive de perdre la raison. Malheureusement, on a besoin de vendre ses œuvres, on a la chance parfois de pouvoir les vendre et on est obligé de céder à ça. Que peut encore la peinture donner du bonheur.